Et femme qu'on est rempli dans quoi là le ministère depuis quelques années et donc moi-même moi là tout ça fait près de 10 ans moi donc moi connais tout est historique. Cependant, il y a des présentations qui a demandé que ce soit au niveau nomination promotion que moi-même jusqu'à présent que avec question de restriction budgétaire que moi pas capable faire. Parce que même si m'd'avoir m'd'a décidé vrai non MRH, m'pas capable faire. Pour ça, premièrement, il y a restriction, deuxièmement, pas gagner une poste disponibilité dans budget. Parce qu'on est un ministère, il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement. Le budget de fonctionnement, c'est lui-même qui permet de soit employer les gens, soit nommer les gens. Mais si au niveau de budget de fonctionnement, pas de moyens, pas de disponibilité là-dedans, déjà nous connaissons le budget de fonctionnement que nous avons fait dernièrement, là, son budget qui reconduit, et nous-mêmes, bon, par rapport avec le ministère du Tourisme, il réduit tout. Parce que il y a des montants qui étaient alloués à tel rubrique qui n'est pas là. Donc ce qui veut dire que montant ça n'est pas disponible. Et même si n'a pas disponible comme jour là, faut me demander des dérogations que moi j'ai déjà, mais que justement il faut des disponibilités là. Et juste dans stratégie pour capable équilibrer assiette salariale l'état ou pas capable prendre de tout son gain pour mettre en plus. Donc faut qu'on capable faire équilibre là et faut qu'on ait disponibilité là et tout question de promotion. Il faut que nous ayons tout papier pour prouver que nous sommes sortis dans le point A pour aller dans le point B. Donc, c'est des sujets qui discutent déjà avec vous, mais que malheureusement, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ça, vous expliquez, vous êtes très bloqué. Certains là-dedans aussi, sous une question de budget, vous dites oui, que vous avez l'argent, mais le budget, vous avez son budget, son montant virtuel. Donc, ça c'est par rapport avec disponibilité qui apporte dans le trésor public là pour dire d'accord, il y a beau temps, il y a beau temps, il y a beau temps. Donc par rapport avec demande fait. Donc donc et il y a d'autres revendications selon ça que moi demander n'a pas de promotion, demander m'améliorer conditions de vie, mais tout ça c'est toujours même relié avec question de promotion, question de cote de débit. Cote de débit, c'est au niveau de vous connaissez des ministères qui gagnent, qui font pas gagner. Mais les contractuels à ce niveau, le ministère pas non, ils pas gagner. Pour qui ça? Parce que dans le contrat que tu gagnes des autres bien avant, il était stipulé bien clair que ils ont pas de droit avec d'autres rémunérations que salaire. Yo. Donc c'est des contrats qui reconditionnent les mêmes termes à la fin de l'exercice. C'est institution ça que nous gagner, nous sommes capables de refaire contrat. Yo. Donc il y a toujours les mêmes clauses là. Donc nous retournons dans la même question encore. Soit c'est au avenant, soit nous avons disponibilité à tout. Que nous pas gagner au niveau budget et que même moi dis moi même en tant que ministre moi là pour non seulement faire bonne gestion de boîte là même pas qu'à prendre un bagage que moi pas gagner sinon à un certain niveau au moment m'a pas découvert et puis a dit ministre t'es mal géré boîte là parce que ça m'a satisfait des revendications de employés et que après ça gagne d'autres leur niveau c'était moment yo pas qu'à toucher encore et puis a dit c'est moi même encore qui problème là. Donc c'est à niveau ça problème là situé. Alors ministre François, employé t'es capable de travailler journée vendredi 8 avril 2022 hein? En termes d'information, il fait connaître que ou former en G9 côté c'est former ça en travail, il y a pas de bonnes conditions de travail et il y a grand pile problème et depuis 9 mois pour arriver dans cette institution hein, pas gain rien qui marche bien. Qui est sur ça? Bon. Même de cette réunion avec Jean Dieu, moi dit que moi gain que moi nommé qui former, il y a pas répondre moi. Donc jusqu'à présent c'est ça m'a prendre là me dit qui est-ce que moi nommé qui font même. Donc il y a monsieur François qui me dit avec moi c'est vrai mais son monde on l'autre cadre on l'autre institution le ministère de la Cité publique que moi à disposition et là tout ministre il doit ça que si on l'autre monde que vous faites confiance par rapport à certaines directions vous mettez chef cabinet qui vient c'est parce que justement ça c'est prérogatif femme l'autre monde dans cabinet prérogatif femme donc on pas gain famille là et si ma fond lecture de situation oh, c'est l'inverse m'a dit. Parce que mon là c'est deux frères ouais c'est mon papa petit des autres que moi même pas vient d'excès personne parce que me comprendre situation réalité pays là mais moi même par côté pas c'est pas le cas et jusqu'à présent là je pas qu'à dire rien que moi même mettre mon moi ici je pas qu'à dire si on demande fox si on demande nous ça faut dire qui est est-ce que toujours venir travailler dans votre là non nous là n'a travail jusqu'à présent donc nous fin pas ensemble avec eux nous bon entente pour nous capables d'avancer, parce que nous devons faire seulement nous qui nous rencontrer, nous devons rencontrer avec les ressources humaines, nous devons rencontrer avec l'administration qui est capable d'analyser le dossier pour être disponibilité. En tête là, il y a longtemps ou bien à côté? Bon, vous connaissez, yo toujours à dire que oui, yo du secteur, c'est telle date, c'est un mois, etc. Mais je me dis, satisfaction, revendication, pas dépend uniquement de moi-même. Parce que même quand je voulais
t'a fait nomination pour yo. Là c'est moi qui te dis ça. T'a vrai fait promotion pour yo, mais faut une disponibilité. Et là bon supposé qu'on nouveau budget que moi-même avec administrateur nous allons nous parler de fonds pour voir qui ça t'a fait. Mais si qu'on y a là pas une disponibilité au niveau du trésor public, là il pas dépend de moi-même. Si yon même au niveau de promotion, yon pas répondre avec tout critère, yon dit yon papier ça pour arriver de la bouillard là, ça c'est pas dépendre de moi-même. Est-ce qu'on comprend? Donc ça dit que pour bon paramètre, c'est pas moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que vous un cheminement pour vous faire, tout un système qui pour respecter pour arriver à accomplir. Alors, ministre, dis-nous, nous avons un petit coup de pied sous pays, nous trouvons par rapport avec le phénomène d'insécurité à Capron GPI depuis un certain temps. Et comment? En soi, secteur touristique, lui-même, comment on relie, est-ce que le phénomène de sécurité n'a pas fait un impact sur lui? Qui ça qui gagne et en perspective, je ne peux dire, soit à long terme ou à court terme au niveau du ministère du tourisme? Depuis quelques temps, nous avons le secteur touristique en déclin avec que ce soit le phénomène pays, que ce soit COVID, que ce soit sécurité, qui au niveau de région métropolitaine. Non, vous précisez région métropolitaine pour qui ça? Parce que vos perceptions qu'a fait, c'est comme si c'est tout Haïti qui a un problème, tout Haïti qui est insécure. Mais par exemple, si vous regardez le cas haïtien dernièrement là, avec tous les événements au niveau de qui était en décembre, donc c'était il pour vivre. Donc ce qui veut dire que avec l'aéroport que nous gagnons, avec toute richesse potentialité que nous gagnons, il y a l'autre côté qui est capable de vivre. Certes, avec question amortissant, sud là, il y a des gens et comme des cas là, les pas accessibles, mais le monde qui est dans la zone est capable de continuer à faire tourisme local. Mais bien entendu, il y a des prérequis, il y a des aménagements qu'on continue à faire, mais si par un corps qui rentre, par un investisseur, nous avons des bagages qui ne peuvent pas arriver à accomplir. Mais ça fait que nous-mêmes, dans le ministère, là, que nous avons comme mission, premièrement, restructuration. Ça veut dire que tout le monde a travaillé sur sa promotion, que ça mouvement du personnel que nous commençons à faire déjà. Et nomination, ça vous fait, pour le capable de le ministère, mettre des unités, que ce soit contrôle interne, pour vérifier justement les dépenses, qualité de dépenses, parce que nous avons dit, nous avons fait telle dépense qui n'est pas conforme, après ça, qui peut avoir un problème, mais allez. Donc, nous avons ressources et unités de tourisme durable qui nous permettent de déployer d'autres stratégies que nous devons mettre en place, etc. Donc, ça, on a travaillé pour nous, c'est non seulement j'aime de la situation. Au niveau de formation, je travaille pour moi, c'est qu'à doter l'école hôtelière d'un nouveau local au niveau de Port-au-Prince. J'espère que ça aboutit bientôt. Moi, fait bon, on signature de deux protocoles. Protocole pour mon cher tourisme au niveau de l'Université de l'Haïti et qui a placé au niveau de l'IERA, qui c'est institution côté que c'est patrimoine que vous étudiez là. Donc, vous êtes justement capable de faire des recherches pour améliorer. Et touristes ou qui vraiment touristes qui adapté avec Haïti, parce que nous ne pouvons pas juste prendre une stratégie de tourisme appliquée là avec Haïti comme ça, il faut nous capable et prendre connaissance de réalité par nous, de communauté. Hein. Et puis nous avons fait un protocole tout pour nous capable gagner une implantation de l'école hôtelière dans l'université de Monade. Donc, comme d'autres activités encore, nous travaillons pour nous capable de tester cela dans le site de destination touristique. Et nous avons même un site institutionnel. Et de site de destination, malheureusement, nous n'avons pas joué encore. Donc, tout ça, ce sont des coûts, sont des réalités qui nous créent, il y a des coûts que nous avons, des montants, justement, budget que nous n'avons pas encore, et que nous n'avons pas qu'à payer certaines choses qui campaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses, il faut qu'il y ait moyen pour faire. Donc, imaginons un secteur qui sont seulement en fonctionnement pour gagner, ou pas de budget d'investissement pour capable dire, aménager tel côté, pour capable faire mon visiter. Et si on fait aménager, il faut rendre rentable, faut rendre exploitable. C'est-à-dire que des fois, il y a des ministères touristes qui ne sont pas occupés de fort, ils ne sont pas occupés de plat. Mais jusqu'à présent, par rapport aux organismes qui disent que c'est lui-même qui est responsable pour la gestion et l'exploitation de ces ministères-là. C'est-à-dire qu'il y a des modifications qu'on n'a pas portées au niveau légal, que ce soit au niveau de loi organique, non, que ce soit au niveau de, d'autres organismes que nous avons créés qui, justement, qui peuvent gérer les choses touristiques. Donc, ça, on a travaillé sur. Sous d'autres points encore que notre travail, c'est par rapport avec, promotion touristique là, certes, mais promotion, je veux dire, l'homme pas qu'à dire, venir, on y a là, plutôt en sensibilisation. Sensibilisation sur qui ça? Parce que pays nous, nous avons potentialité. Nous avons une réputation de monde très hospitalier. Mais c'est qu'on y a là, on a
empêcher les touristes venir au niveau de la côte des Arcades. Nous-mêmes, nous sommes capables d'aller à Alphon séjour au niveau de la côte là. Mais toujours un problème. Si nous disons que nous avons des avions qui ont brûlé, quel message ça lance? Ça lance un message pour mon investisseur qui est intéressé à venir investir en Haïti. Donc, il faut que nous sommes capables de travailler sur la question de respect du monde, respect de biens privés, respect aussi de sites touristiques. Parce que il y a des côtés qui sont dégradés. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est des bagages. Il faut travailler sur eux, mais il faut nous avoir des moyens pour nous investir sur eux. D'abord, aménagement, comment ça va? Ça me dit au niveau d'aménagement, il faut que les moyens. Tout ça, c'est au budget, au niveau du budget d'investissement que nous n'avons pas gagné depuis. Bon, moi, j'ai gagné dans le ministère là pour 4 jours. Malheureusement. D'abord, nous remercions le ministre. Moi, merci à nous tous et merci à nous tous pour l'objectivité. Merci. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.